Alors, objectif. Combien de dégâts j'ai pas vu? Oh, ta pute 3. De merde! Ah, j'ai oublié de manger pour me faire un cœur d'argent. Ah, c'est vrai que lui, maintenant, il me parle avec ses potes. C'est eux les boss que je dois tuer, in fine. Et là, je suis sur le trésor de la grenouille. Oh! Non, mais c'est pas par là qu'il fallait aller! Mais bon, c'est pas grave. Moi, je veux des graines de citrouille. Guerrier, un chevalier, le géant. Classe. Voilà, ça c'est fait. Atteint de gigantisme. Elle s'appelle Dame, je sais pas quoi. Dame nature. Please don't hurt us, we are simple followers lost in a familiar place. The great Sozo sent us to find more of his beloved menticide mushrooms. He cares only for mushrooms. Tu me disais pour ma carte graphique? Oui, en fait, j'ai vu que dans le bio c'était une option pour dire sur quel PCI Express ça boot. Est-ce que c'est en mode PCI Express 3.0 ou 4.0? Bioshock 5.0 et ou en auto, et il y a moyen que en fait le tien il est réglé sur PCI Express 3.0 et que du coup quand tu mets ta 3070 je te donne une carte graphique que tu n'as pas, et ben ça, vu qu'elle est en 4.0 elle boot pas dessus, donc peut-être aller regarder dans le BIOS sur quel truc c'est et mettre en auto évidemment avec ta carte graphique actuelle, et ensuite une fois que tu as fait ce changement dans le BIOS, mettre ton autre carte graphique et voir si tu arrives à avoir l'image. Miam. Ah, trop bien! Oula! Et vous pouvez pas me donner des champignons? Oh mince! Je les ai tapés sans faire exprès. J'ai pas fait exprès, je suis désolé! Mais oui, je voulais récupérer les champignons. Désolé, j'ai pas fait exprès! Bon, je m'en vais parce que j'aurais peut-être pas faire exprès. Je peux avoir que l'un des deux? Ah non, je peux avoir les deux. Trop bien! J'ai cru que c'était un pénis. Ok, ça c'est moins bien, c'est moins utile. De quoi? J'ai cru que c'était un pénis la carte que j'ai chopée juste avant. Ah, je sais bien ce que j'avais compris. Encore une carte, putain, mais trois cartes à la suite là. Ah, ça c'est bien. Par contre, mon truc c'est que à chaque fois que je pioche une carte, j'ai un cœur noir normalement. Ah bah voilà, et là il y a la carte à choisir, il me semblait bien. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Voilà, voilà. C'est bon, arrêtez, je vous ai juste donné deux baffes, vous n'allez pas à mourir. Hein. Bon, moi j'ai pas vraiment le choix. Ah! Ça c'est bien! Je vais pouvoir planter des champignons. Planter. C'est ce que t'as fait tout à l'heure en un sens. Alors c'était qu'un grand et pas avec un poignard, mais oui. Oh, trop bien! Alors ça, je kiffe. Et une carte. Putain, mais j'arrive pas trop. Oh, trop bien!
Ça aussi, trop bien. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je sais pas pourquoi mon sort il a pas voulu se faire. J'ai appuyé trois fois sur le bouton, le jeu il a dit non. Encore des gens mignons. Maintenant faudrait trouver des citrouilles. Ah, des gens mignons au lieu des champignons. Alors, c'est bah oui, c'est ce que j'ai dit. Des champignons, c'est trop drôle. C'est, trop drôle. C'est pour ça que je l'ai dit. Oh, les cartes. Oh, oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Putain, la version améliorée, elle est vénère. Hein. Bon, moi, je vais défoncer le boss. Bah, hein, la main du diable, là, à droite. Hein. Hop. Donc, quoi, il y a un X devant. Non, à droite, tu veux dire. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Non, c'était à la carte de gauche, c'était une main avec un œil. Hop là. Ah oui, la carte qui me propose à droite, c'est... Hop, ça, c'était un cœur noir. Ça me donne un cœur noir. Les coeurs, toi, j'en ai un de cœur noir, par exemple, là, tu vois, et il a trois yeux. Et c'est le même principe que les cœurs noirs dans Binding of Isaac, sauf que ça fait l'effet du cœur noir à chaque demi-cœur noir enlevé. Oh là là! J'ai le coup critique en plus là! Oh mais laisse tomber! Des gens mignons! Hop! Le fait que j'appelle les champignons des gens mignons, ça vient d'une cassette quand j'étais gosse qui s'appelait La belle l'espoir du prince de Motordu. Oula, ça rigole pas là. Moi non plus je rigole pas en fait. Hop. Où c'était l'histoire d'un prince, du coup, qui était le prince de Motordu, où en fait il arrêtait pas de dire les mauvais mots en fait à la place des bons mots. Hop. Mais elle est un peu tordue l'histoire en plus, bah c'est le cas de le dire d'ailleurs. Parce que en gros, c'est un couple de rois qui sont les Motordu et donc qui sont par définition. Enfin, qui par définition parlent mal. Sauf que leur fils, quand il apprend à parler, eh ben, ils se rendent compte qu'il parle bien. Donc ils sont dégoûtés, donc ils l'amènent vers... dans une école pour lui apprendre à parler bien. Enfin, mal. Hop. C'est pas mal, ça. Donc du coup, il apprend à parler mal. Donc comme ses parents. Hop. Et ensuite, il grandit. Et là, il rencontre une femme qui est une prof, mais qui fait pas partie du royaume des Motordus, et donc qui, elle, parle pour bien. Elle parle bien. Et donc, du coup, pour lui plaire, enfin, bah, même pas forcément pour lui plaire, mais du coup, elle voit que lui, parle mal. Alors, du coup, elle lui apprend à parler bien. Donc, du coup, il réapprend à parler bien. Et du coup, après, il arrive plein de trucs où elle se fait enlever, je sais pas quoi, il va la récupérer et tout, blablabla. Et à la fin, ils se marient, ils ont des enfants, et pour faire plaisir à sa belle famille, eh ben la mère, elle commence à se mettre à parler mal. Pour que les enfants aient la même culture que ses grands-parents et que son père a eu quand il était petit. D'accord. Donc c'est un peu trop compliqué pour rien, quoi. Ça va, marrant. Oui. En plus, de souvenir, ça dure très longtemps, ça dure au moins une heure le truc, alors que c'est un truc pour un enfant, quoi. Mais d'ailleurs, quand t'es enfant, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il y a un coup, il parle bien, un coup, il parle pas bien, du coup, ils sont contents, après, ils sont pas contents, après, en fait, il est content qu'il parle bien, qu'il parle mal, mais après, du coup, lui, il veut parler bien pour la meuf, alors du coup, la meuf, elle est pas contente qu'il parle mal, parce que surtout que c'est une instite. Donc, tu te dis, mais. What the fuck? Et il y avait une histoire de bataille navale dans le truc où en fait ça prenait vraiment les réalités où tu vois il est en train de piloter un avion pour aller bombarder des navires. Bref.
C'était drôle. Et du coup, dedans, ils arrêtaient pas de dire des trucs du genre c'est des gens mignons. Au lieu de papa, ils disaient dada. J'ai rien lu de ce qu'il me dit. Hop. Et du coup, il y a des trucs qui me sont restés, qui me fait marrer de dire mal. À l'âme tordue. Hop. Oh, et en plus, c'était déguidé. Mais je suis un monstre. Oh, mais ils peuvent se taper entre eux? Non. C'était un hasard, ça c'était synchronisé avec le poison, c'est obligé. En tout cas, s'ils peuvent se taper entre eux, mais laisse tomber. Carte. Faut que je fasse demi-tour. Ah oh. Oh, cette OS. Non mais c'est bon, je suis pété. Oh, puis en plus il donne une carte. Oh, trop bien. Trop bien! Attends, je peux regarder du coup ce que ça dit? Exactement. Hop, enemies have chance. Ok, to drop a fish. Là, je peux dropper des poissons sur les ennemis, mais heureusement, c'était à l'avant-dernier niveau. Et vu que là, j'ai pas battu le boss de la région, je ne peux pas continuer à l'infini le donjon. Même si je sais pas si en vrai c'est vraiment à l'infini. Carte, carte. Pas carte. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Ma main, elle fait 3 de dégâts. Et c'est un gantelet vampirique 10. Et là, j'ai une épée 11. Et elle fait que 1,9. What the fuck? Là il pleut et le jour vient de se lever. J'avais pété la gueule du mec. Je suis arrivé par là en fait. Yep, je me suis planté de chemin. Et le boss. Mais n'importe quoi, j'ai jamais touché les barils là. Oh my god, le pouvoir que j'ai! Je voyais pas ça comme ça. OS. Oh là là, mais les dégâts, mais laisse tomber. Aïe.
J'ai combien de champignons là? J'ai l'impression que je peux pas avoir des petits champignons, je suis obligé d'avoir des grands champignons. Explosé. Waouh, mais ça a abusé en fait les grands. Faut aussi que je trouve des cristaux, mais je sais pas du tout dans quelle zone ça peut se trouver les cristaux. Je pense pas dans celle-là du coup. Peut-être la prochaine. Ah, c'est un cul-de-sac. Putain. Du coup, je suis en train de me dire que j'ai acheté le dernier DLC de Binding of Isaac et j'ai jamais joué. J'y ai joué, mais pas beaucoup. Je sens que les cartes c'est en bas. Oui, c'est même sûr. Enfin, c'est même sûr en tout cas que c'était pas à gauche. Hop. Bon, en fait, si alors. Ou alors, il n'y a pas de carte à ce niveau-là, c'est directement le boss. Ça, c'est un défaut du jeu, c'est que tu peux. Il n'y a pas de bouton qui te permet d'afficher la map en grand. Ah bon? Non. Du coup, tu sais pas si. Ah oui, tu peux prier aussi en appuyant sur R3. Ça sert à quoi? Juste à faire bail, c'est comme le rond dans... dans The Game. Ah, je vais quand même regarder si j'ai fait tout ou pas, parce que ça me paraît bizarre que j'ai pas eu de carte à ce niveau-là. Ni même de marchand ou quoi. Ah ouais, bah si. Ok. Ah si, là y a... Bah non, c'est ce que... Je suis con. J'allais dire, si, là y a une salle que j'ai jamais visitée. Bah oui, c'est celle-là où y a le boss. Trou du cul. C'est indiqué par le logo là. Le logo là. Eligos. Boum. Allez. Oh, oh non, mais c'est abusé les dégâts. Allez, boum. J'aurais même pas le temps de voir tous ces patterns en fait à ce mob. Mais je l'ai défoncé. Aïe. Voilà. Death to non-believers. Ah, et là, je peux recruter. C'est la première fois que j'affronte ce boss-là. Donc, il se transforme en follower que je peux recruter. Et je vais prendre des citrouilles. Et j'ai un peu crié. Je m'attendais pas à avoir des citrouilles ici. Ah, j'ai remarqué. Et là, tu vois, sur la porte derrière, là, j'ai fait la moitié. J'en ai fait 2 sur 4. Et ça s'ouvrira que quand j'aurai... battu le boss de la zone, donc il faut que je parcours encore le donjon 2 fois pour pouvoir ensuite avoir un infini. Hérétique vaincu. Trois champignons et 8 citrouilles. Ah, je peux construire un truc. Enfin, je peux choisir un truc là. Je peux faire un cercle de d'invocation démoniaque. Ce qui me permet de posséder un follower avec l'esprit d'un démon. Comme ça, ils peuvent me joindre à ma prochaine crusade.
Oh. Non, ça commence à me casser les couilles, ça, c'est un mini de merde. Missionary 2. Send 2 followers on an early quest at once followers will have a higher likelihood of success and complete their mission more quickly. Je vais faire ça. Je suis très curieux de voir ce que ça peut faire. Oh, une faute de la faute de Caron. Confère une bénédiction forte, arme mythique. Les premières attaques infligées à coup critique de compétence aux ennemis dont la santé est élevée sont infligées à un critique de compétence aux ennemis dont la santé est faible. Vas-y, je teste. What the fuck, c'est quoi cette attaque? Mais qu'est-ce que c'est que cette horaire? À la ferme. On fait le serment du jour avant qu'il fasse minuit. Oula, tout a un truc, je peux tout faire. Ah ouais, bah je suis mort à cause de cette arme. Parce qu'elle fait un dash en avant. Ok, et tu les emmènes dans le vide. Non, c'est pas ça, c'est que je suis obligé de... Oh, un dragonnier tout petit. Je suis obligé d'en fait de toucher le... petit. Quand j'attaque, en fait, je suis obligé de... Ça touche obligatoirement le mec. Eh ouais, mec. Belief, substance anchorage threat. Oh, all cult member will gain the substance anchorage threat, gain 20 faith when brainwashing ritual is performed. Atteint de nanisme. Ça, ça peut-être m'aider pour ce que je viens de débloquer. Belief in prohibitism threat. All cult members will gain the threat prohibitism. Increase walk speed and devotion generation increased by 10%, but 50% chance. Comme sick after the brainwashing ritual. Non, bah vas-y, moi je fais ça. Mais je fais toujours autant de dégâts. Ah, ils sont tout contents. Rituel. Sacrifice de la flèche. Rituel de la fin. Enfin, du jeûne. Rituel de l'océan. Holiday Ritual. Hop. On va faire celui-là. Voilà. Et c'est bon. J'ai plus qu'à leur donner à bouffer. Mais il faut pas que je leur donne des hautes armes parce que j'en ai besoin pour crafter les trucs. Oh! Mighty Meat Feast. Ah oui, d'accord. Pourquoi je peux en faire qu'un seul alors si... Ah oui, parce que c'est 4 viandes. Oh putain la vache. Je reviens à mon chat qui essaie d'enculer l'autre. En toute amitié. Toute fratrie plutôt. Hop. Et hop. Ça, c'est de la chair cannibale, j'imagine. Deadly dish. Ça, ça sacrifie un... C'est un caca, une haute herbe, une viande pourrie. Et il a 75% de chance de mourir, le mec qui mange ça. Mais il a 100% de chance de dropper des ressources.
Putain, le follower qui va manger ce plat là, il va être bien content. À moins que ce soit moi qui le mange. Allez, je le mange. Hop, ça me fait un cœur en plus. D41 déjà. J'avais un micro-freeze, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, lui il va quand même pas crash. Make witness a girl's eat bowl of poop. Oh, il est mort. T'es sérieux? Je suis trop deg. Putain, il est vénère mon mouton là. Mon toulou, il est mort. Je l'ai envoyé en missionnaire, il est revenu, il a fait je suis désolé, j'ai failli à le truc. Mais t'étais jeune. Putain, mais il y a des chiottes juste à côté, il chie là quoi. Et lui il vient de vomir ici. Peut-être tu peux vomir dans les chiottes aussi hein. Alors il faut que je fasse un bowl of poop pour un mec. Il faut que je trouve, c'est lui. C'est lui. Toi tu vas manger. T'es mort. Find a meal and eat bowl of poop. Oh non, y'a quelqu'un qui le bouffe. Ah non, c'est bon. J'ai cru que quelqu'un le bouffe à sa place. Il est devenu malade. On se bat pas vers moi là. Il est devenu malade. Vu que c'est ma faute, je l'envoie. Bedrest. Non, pas Bedrest. Attends, on va aller là. Assigner lui. Putain, il y en a trois malades dans le. Non, non, non. Putain, ah, je vais me faire une crampe. Ah. Putain. Putain, mais c'est magique en fait. J'ai quasiment tué le merdeux. Mais c'est magique en fait. Shut up, it's magic. Ah. Je répare ça. D'ailleurs, je pourrais faire ça en fait. Hein. On va aller faire le sermon du jour parce que là la foi elle commence à baisser. Gandalf! Venez ici les chats là! Je reviens. J'ai trouvé cette clé.
portail ouvert définitivement. Ah. Du coup, je reviens, je vous souhaite. Je revenais pour poser la manette. Mais il m'a... Quoi? Je suis mort de mort inconnue. Bon, au moins le portail est ouvert. Voilà. Cette fois-ci, j'espère que j'aurai pas besoin de me relever de sitôt. Hop. Et ça, du coup, j'en fais quoi? Ah oui, non, ça fait partie du bâtiment, ok. Hop. Ça, j'en ai pas mal de ça. Il est content parce que j'ai fait sa mission à faire bouffer du caca à l'autre là. Vous êtes un vrai leader. Mange merde. Non, c'est pas moi qui ai mangé la merde. Lui, il est vieux. Putain, mais le sol il bug, ça me saoule. Le sol. Oui, le sol. Comment ça? Bah on peut décorer le sol et j'ai mis une décoration sur le sol devant l'église, le temple. Et il bug, il se met pas. De fois, ils sont tous contents. Moi, je vais mettre des citrouilles ici, ainsi que des champignons. Et le reste, je vais mettre du coup des graines. Je ne mange pas de graines. Mais là, du coup, je sais pas si je les récolte pas, est-ce qu'eux, ils le récoltent? Une bien bonne question, ma bonne dame. Mmh. Ah, lui, il meurt. Putain. Il fait une crise cardiaque et meurt. De vieillesse. Mort, par contre. Tu remarqueras que quand quelqu'un il meurt, en fait, je peux soit l'embaumer pour le préparer pour enterrement et tout ça, soit récupérer sa viande pour le donner à bouffer aux autres followers. Hein. Mort par cause de décès. Et oui. Ah, mais c'est trop bien. Mais ça, je vais le faire. Je peux le faire maintenant, donc je vais le faire. Je vais le mettre de ce côté-là. Vas-y, on va le mettre au fin fond du truc. Bon, je reviens. J'ai plus d'un grand elfe. Enfermant dans sa chambre.
Non, mais j'ai entendu, t'as pas à peine de revenir ici tranquille en mode de vent, j'ai rien fait, alors que je t'ai dit que je te punissais. Si tu faisais quelque chose, c'était ta dernière chance. C'était ta dernière chance. Encore un peu de ton frère. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Bon, à partir de maintenant, pour les vieux, faut que j'arrive à construire un truc pour recycler leur chair en nutriments pour les plantes. Ça, je peux enfin finir ça. Voilà. Mais je vais y arriver. Voilà. Mes 50 ans a lancé son attaque de base. Et c'est dernier ? Ah non. J'y ai cru. Voilà, tu sais bien. Ça va toi ? Hop. Du coup, c'était bien le parc Astérix ? Ouais. Même si, en fin de compte, le pass qu'on a pris, les billets n'étaient pas comptés dedans. Du coup, on a dû repayer le okay. Pass. Tendu 0 d'un coup. Ça fait mal. Oui. Bon, après, par contre, on est passé devant tout le monde sur les attractions, donc on a pu tout faire dans la journée. C'est cool. Ok. Est-ce que tu avais pris le pass pour passer devant tout le monde, mais ça inclut pas les places Ouais. Sauf que c'est pas précisé sur le site. Ce que je voudrais faire, ce serait déjà ça, pourquoi pas. Ah oui, c'est une beaucoup plus grande zone. Momo. Ton frère est pas là, donc je sais que tu... Que tu fais du chiquet là. Du coup, il me faut quoi déjà pour faire ça? Il me faut 6 lingots d'or. J'en ai que 2. Bon, ça va être fait. Ça, je m'en fous. 10, j'en ai 10. Ça va être fait. Manque des thunes par contre. Ton frère est puni, Morgul. Tu le reverras tout à l'heure. Ah oui, elle est bien plus grande que ce que je pensais, mais tant mieux. Ils disent toutes. Ouais. J'ai ramassé la merde qu'il y a là. Ok, c'est bon, je vais pouvoir faire ce que je veux là. Même si je peux pas mettre là malheureusement.
Ah, ça c'est une rune stylée, ça augmente les dégâts critiques de vos armes. Effectivement. Je vais construire les épouvantails. Bon, je vais pas y arriver, hein, je le sens. Ça me fera plus chier, ça. Adieu les piafs qui viennent grignoter mes graines. Mais quoi, c'est quoi la hitbox? Je ne le touche même pas. J'ai été tué par Gigas, la hache. Est-ce qu'il y a à toi que tu viens juste de rejoindre le culte? Bah vas-y. Y'a pas de soucis, regarde. Le mec il dit ce serait cool de construire 3 décorations en votre honneur. Hop. C'est cool, j'ai prévu d'en construire une vingtaine là, dans la nuit. Raphaël, le deuxième. Pistogel. Freeze. Et boum, je vais pouvoir faire un commandement, ça c'est cool. Pourquoi ça a été abandonné ça? Pourquoi il y a personne qui travaille là? Là faut que j'aille à la messe aussi. Faut que je fasse la messe. Et la nouvelle loi. Ah. Hop. Il me reste plus que 6 lois à promulguer. Materialist threat, the crypto bubble gain materialist threat, gain faith when building better sleeping quarters. Gain more faith when placing a decoration building. Bah je vais prendre ça en fait, parce que là je vais mettre plein de trucs. Une chaîne de brisée. Putain, y'a deux vieux dans le truc là. Ah merde, putain. Alright. Voilà, comme ça, le champ il est full protégé. Non, moi je veux
ça, et tu me fais 4. Ah, j'ai pas assez de gold. X 5. Ça devrait être bon. Ça fait chier les vues, j'espère qu'ils vont pas mourir maintenant. Et le totem de récolte, ça coûte combien? Ah, il y a ça qu'il faut que je fasse construire aussi. C'est parce que j'ai pris le totem de récolte? C'est peut-être parce que j'ai pris le totem de récolte. Non. Je t'ai pas demandé de faire ça, putain! Voilà, parce que... Oui, c'est bon, j'ai gagné un truc en plus. Du coup... Ouais, j'ai pris ça. Ah non, je l'avais pas pris. Donc là, je peux le prendre. Ou alors, il y a ça qui a grandir le culte... Non, ça, je vais prendre ça, en fait, en priorité. Comme allez, ça, la statue du milieu peut récupérer beaucoup plus de culte. Enfin, beaucoup plus de ferveur. Wouah! Et maintenant il peut récupérer jusqu'à 90 de ferveur. C'est y part. Bon, enfin il travaille. Ah, ça c'était fait. Summon Demon. Est-ce que je peux prendre les vieux? Non, dommage. Member for 6 days, 2 days, 11 days, 22 days. Lui, il a 44 ans. Vesta. Oh, ils ont tous des trucs. Shoot cooldown decrease. Vas-y, je le convertis en démon. J'ai sauté, ta pute de merde! Putain, mais pourquoi j'ai mal? Faut que je tire le. Ah oui, donc ça a converti complètement ça, ok, d'accord. Sélectionner un item, je peux pas... Oh, shit, je peux pas changer. Alors, tester lui, mais ça va être de la merde. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'était ça. Parler lui. Eligos is a spy sent by an enemy cult to undermine your great power. You should go speak with them and see what they have to say for themselves. Unlimited power. Unlimited power. Oh non, il faut 10. Heureusement que j'ai plein de pépites d'or. Même pas un truc de bouffe, allez vous faire ça. Du mana, j'en ai rien à péter. Bon bah let's go. Toujours pas. Je crois que ça en faisait 5. Ah oui, parce qu'il y en a 3 en stock, ok. Hop. Hop.
Eh bah putain, en fin de compte, ça le fait, hein. Oui, on commence à avoir faim. Dans la vraie vie. Hop, non. J'ai réussi, bah c'est fort en fait. Avec ce sort. Hop, c'est ce que t'as réussi. En gros, pour aller pour libérer le dragon qui m'emmènerait au boss que je dois pomper, il faut que je trouve deux points où il y a deux chaînes qui sont reliées spirituellement à un portail, que je trouve la clé de ces portails pour les ouvrir définitivement, et après que j'affronte les deux mobs qui sont dedans, et c'était très casse-couille. Ok. Sauf que là, du coup, je viens de réussir à les tuer avec l'astromancien ancien. Parce que, du coup, j'ai eu un combo de sorts qui est trop fort. Ok. Là, il fait nuit. Je vais enfin voir demain... s'il récolte les trucs ou pas. De sûr, il met pas d'engrais, hein, parce que je peux dire que j'en ai du caca sur moi. Bon, après, c'est parce que j'ai pas mis de trucs d'engrais à côté, donc c'est peut-être pour ça aussi. J'ai 94 caca sur moi, quoi. J'avais une grosse envie. Hop. Non, c'est juste que j'ai le caca de tout le monde sur moi. On m'a chié dessus! Bah non, ça chie dans les toilettes et je suis obligé d'aller vider les toilettes à la main, donc... Mais saute, putain de bâtard de merde. Bâtard de merde. Non mais c'est ça que j'aurais préféré. Merci bien. Bon, moi j'ai juste à trouver le boss. Le dragon, là. Et après, d'ailleurs... Un shinobi géant... Un gun... Ah, j'ai 43, mais je peux en faire plein. Un boxeur nain. Ouais, regarde, il est tout petit. Mais pourquoi tu le mets pas dans la voiture directement? T'as pas besoin de le mettre dans le carton. Bah, tu fais deux voyages. Nouveau serment. Regarde, il est tout petit. Ouais. Non, il est noir. Par contre, lui, il est bleu. Mais c'est un... Non, lui, il est atteint de gigantisme. Allez, on va prendre le Ronin. Le Ronin. Atteint de gigantisme. Et de... Métémoglobinémie. Hop. Le Ronin, pas si nain que ça. Ah non. Il est gigant... Il est géant et bleu. Ok. Géant bleu. Mmh. Oh, c'est drôle qu'il y en ait un vert. Yep. Bon bah tout le monde est content, tout le monde a ses trucs à sa fin. Et encore le putain d'arbre qui a popé ici. Je peux donc aller là. Ah oui, non mais j'ai plus de thunes. J'ai pas du tout de thunes. Du coup on va là. Oh oui, j'ai bien lui. Hop, combien du coup j'ai pas. 1-8. Et c'est une dague, ça me saoule. Ah oui, c'est ça qui fait ça. Oh là là. J'espère que je l'ai pas... Ah
Enfin, j'espère que c'est pas que pour cette run-là que je l'ai. Je sacrifie un follower, c'est pour tout le temps. Hein. Oh, par contre, du coup, vu qu'il est géant, la lame, elle fait la moitié de l'écran, la limite. What? Ah non, encore lui. Ouais. Il a affamé mes followers, le fils de pute. C'est pas grave. J'aime pas trop cette arme, elle a vraiment une portée de merde. Ah putain, mais c'est débile ça! Tu rentres dans une pièce, y'a un mec qui est vraiment collé à toi et du coup tu t'en prends une. T'en veux une? Ah. Oui! La pièce qui ne sert littéralement à rien, t'as juste un piège sur ta gueule. Et du coup par rapport au premier, il est comment ce Legacy 2? Trop bien, beaucoup plus diversifié, t'as beaucoup plus de possibilités de jouer des trucs différents. Beaucoup plus de challenge, évidemment, je suis tellement gros, je passe pas là. Il est tellement gros. En gros, c'est un. Par contre, c'est un. Ce 1, trek mais est vraiment. Quoi. Ce trek est vraiment horrible. Très pacifiste. Tu peux pas taper. Effectivement. Mais du coup, tu gagnes plus 165% d'or. Le resto. Le resto. Là, je joue un lancier dragon. En trop fort, lui aussi. Hop. Ouais, du coup, follower, il était complètement de l'autre côté, c'est pas grave. Ah, mais j'aurais pu moins... Oh, j'aurais pu faire les deux... Oui, des citrouilles. Oh. Là, un point d'interrogation. C'est un boss? C'est un boss? Ah, c'est lui encore! C'est celui que j'ai défoncé tout à l'heure. Ah putain, je suis pris deux fois l'attaque. Le voilà. Je t'ai libéré. Ah, il est à l'intérieur du dragon. Ah putain, j'ai pris un... Oh, j'ai plus qu'un cœur. J'ai plus qu'un demi-cœur. J'ai failli mourir. J'ai mouru.
Première mort. Oh, je suis mort en martyr. Mais du coup, je perds mes citrouilles. La salle de boss, c'est le ventre du dragon. Je perds mes citrouilles. Oh la vache, il est énorme. Ça va, c'est la première fois que je meurs, tu peux me laisser tranquille, là. L'Hécatonkyr, estuaire Tubal. Putain, mais je suis mort trop connement, quoi. J'ai pris trop de dégâts sur ce boss. Pour rien. Du coup, ça va faire baisser ma foi parce que j'ai perdu, j'imagine. Même pas.